Moi, c'est Alexandre Gagnon. J'étais entraîneur à Chambéry l'an dernier en D1. C'était ma première année en France. J'ai commencé à entraîner, ça fait 11 ans maintenant cette année. Justement, il y a 11 ans, j'ai joué en Magnus à Mont-Blanc. J'ai arrêté de jouer très jeune, dû à une blessure. Donc, ça fait déjà 11 ans que j'entraîne. J'ai été au Québec dans les rangs junior majeur, junior 3, midget 3 au Québec. Donc, les rangs élites, U17 à U20. Et puis, c'est l'an dernier, c'était ma première saison en France, en pro à Chambéry. Puis, je suis content d'être ici pour les 2 ou 3 prochaines années. Moi, j'ai très bien aimé. On est centre-ville, donc pour la ville, nous, on adore. Je trouve que ça me fait un petit peu penser à certains quartiers de Montréal où moi, j'ai déjà habité aussi. Donc, il y a beaucoup de vie, il y a plein de marchés, de trucs, de poissonniers, de bonne bouffe, de bonnes terrasses. Donc, moi, j'ai une super belle impression. Puis les environs, l'Alsace, c'est magnifique. Donc, on se plaît beaucoup, on est très heureux. Oui, on est content de ce qu'on voit pour l'instant. Il y a beaucoup de potentiel sur la glace. On sait pas trop, on est content. On trouve qu'on a fait des bons choix maintenant techniquement. Il faut voir comment durant la saison ça va coller aussi tous les gars ensemble. C'est ce qu'on essaie de créer en ce moment aussi, de voir la cohésion collective jusqu'où on va aller. Mais nous, on est très content, satisfait et surtout, on a un bon groupe de gars. Les gars s'entendent bien ensemble. Il y a vraiment des bonnes personnes à l'intérieur. C'était primordial dans les choix qu'on a fait. Bien sûr, on a choisi les meilleurs joueurs de hockey disponibles, mais pour nous, c'était super important de s'assurer, de parler avec des anciens coéquipiers, des anciens entraîneurs, des joueurs, puis d'avoir juste des bonnes personnes. Donc, tous les nouveaux qui se greffent au groupe, qui étaient déjà très bons l'an passé, font qu'en ce moment, il y a une très belle ambiance. Donc, les 3 premières semaines durant le mois d'août, c'était vraiment des glaces optionnelles pour les joueurs. Donc, c'était des glaces qu'on offrait aux gars pour une remise en forme très technique. On n'a pas touché de système de jeu, on n'a pas touché trop de trucs collectifs. Donc, vraiment la mise en forme, beaucoup de gestes techniques, beaucoup de skills pour que les gars reprennent la forme, se sentent bien sur la glace et aillent chercher leur niveau individuel. Et puis là, depuis la semaine dernière et cette semaine, là, on touche vraiment le collectif. Donc là, le système de jeu, on s'arrête beaucoup plus sur le 5 contre 5, tout ça. Puis nous, notre objectif, c'est que l'intensité monte cette semaine et la semaine prochaine, avec les matchs pré-saison qu'on va jouer aussi, pour arriver vraiment prêt à la fin du mois là, pour le premier match de la saison, le 26 septembre. En fait, pas nécessairement en termes de temps, mais on est de plus en plus intense sur le mental et le collectif et sur les entraînements. Donc l'intensité augmente parce que les matchs s'en viennent. Et le sérieux, c'est beaucoup plus intense et sérieux parce que là, on touche vraiment des trucs qui vont influencer notre performance dans les matchs. Tandis qu'au début, on était plutôt dans la rapidité, dans l'intensité physique. Là, maintenant, on augmente vraiment, on se rapproche de plus en plus vers une ambiance de match, une ambiance de saison, parce que chaque entraînement, il y a des trucs très importants qu'il ne faut pas louper. Donc, on a besoin d'une très grande concentration mentale des joueurs, puis aussi de l'implication physique du camp d'entraînement aussi va augmenter. Donc, ce n'est pas nécessairement la vitesse ou la charge qui va augmenter, mais plutôt la façon qu'on s'entraîne qui va être de plus en plus vers un style de match et plus physique, plus intense. En fait, on a changé un petit peu là, notre fusil d'épaule durant l'été avec le COVID et tout ça. On ne savait pas trop si on allait avoir quelqu'un sur place ou non. Donc, on a changé un petit peu. Mais sur la préparation physique, on a quelqu'un au Canada, Guillaume Grou, qui est un entraîneur physique qui a fait ses preuves, qui a travaillé au niveau de la AHL et au niveau de la LHJMQ au Québec dans les ligues professionnelles, qui est propriétaire de son gym, qui a aussi une maîtrise là, en biomécanique, tout ça. Donc, c'est quelqu'un de très calé que je connais très bien, moi, avec qui j'ai déjà travaillé. Et puis, c'est quelqu'un qui a aussi surtout mis sur pied une application à distance qui est vraiment, vraiment incroyable. Donc, nous, on a toutes les vidéos et tous les entraînements. Tous les entraînements, en fait, tous les exercices sont filmés, sont en vidéo. Les gars ont toute leur application sur leur portable. Donc, tous les joueurs ont leur entraînement aussi. Si les joueurs ont du spécifique, chaque joueur a son propre portail pour avoir ses entraînements à lui spécifiques, ses trucs qui sont différents des autres.
Et puis, on a aussi là-dessus plein de données qui sont cumulées à tous les jours par les joueurs, des questionnaires qui sont remplis par les joueurs à tous les jours pour voir et analyser le niveau de fatigue de l'équipe, le niveau de fatigue de chacun des joueurs aussi, puis qu'on puisse, donc ça nous donne beaucoup de données. Et c'est un suivi qui est fait à distance, mais c'est un suivi qui est très personnalisé. Et puis, on est très, très content d'avoir pu greffer Guillaume dans l'équipe. Ben, je suis un entraîneur qui est très intense, très passionné, mais je suis quelqu'un qui, avec les joueurs, en fait, ce que je veux le préconiser avec eux et mettre de l'avant, c'est vraiment qu'on est en échange. Donc, on travaille ensemble. Je veux pas que. Moi, je suis pas un style de coach où les joueurs travaillent pour moi. C'est pas dictatorial du tout. C'est vraiment. On travaille ensemble. Moi, je suis là pour faire performer les gars. Donc, je suis là pour leur bien à eux. Puis ça, il faut qu'ils comprennent. Maintenant, ça n'empêche pas que tout le monde a son rôle à faire. Puis moi, mon rôle, c'est aussi d'être intense, d'être dur avec eux. Parce que c'est ce qui va les amener à performer intensément dans les entraînements puis à être prêt pour les matchs. Donc, je suis quelqu'un de très, très, très dur sur les habitudes de travail, la façon de travailler, sur le focus et sur la concentration mentale aussi des joueurs et de l'équipe dans les moments où on travaille. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une différence. Donc, quand on est sur la glace ou quand on est en meeting, on est très intense, très focus, très sérieux. Et puis, quand le match est terminé, quand l'entraînement est terminé en dehors de la glace, ben là, on a une ambiance qui est plus convivial, puis ma porte est toujours, toujours ouverte, puis je veux que les gars sachent et sentent qu'ils peuvent toujours venir se confier, venir nous parler, qu'on discute, et puis on peut toujours discuter de chaque situation. Maintenant, c'est important au moment du match, au moment de l'entraînement, pendant qu'on est en compétition, ben là, c'est plus le temps de discuter, puis là, on a besoin d'être dur, peut-être d'être intense avec eux, pour que tout le monde soit dans le même bateau, là, puis que tout le monde avance dans le même sens. C'est numéro un, tout le staff, j'ai l'impression, le COVID a fait qu'on était à distance. On a fait beaucoup de conférences vidéo cet été ensemble, donc on a appris à se connaître quand même beaucoup avant d'arriver. Puis moi, quand je suis arrivé ici, la première semaine où on est arrivé, on avait déjà l'impression que ça faisait des années qu'on travaillait ensemble. Donc on a vraiment une très 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 belle cohésion dans le groupe de staff, ce qui est aussi important. Hein. Tous les jours, quand on vient au bureau, on passe beaucoup de temps ensemble, sur la route aussi. Donc, ça se passe très bien, les gars, ça aime se chauffer un peu à tous les jours, puis ça met une bonne ambiance, puis on s'entend super bien professionnellement et en dehors de la glace aussi, là, il y a une belle chimie qui s'est installée. Mais en fait, j'aurais plusieurs anecdotes à compter parce que je suis quand même un jeune entraîneur, donc j'ai 32 ans, j'ai plein de mes anciens coéquipiers avec qui j'ai joué à Mont-Blanc, qui sont dans la Ligue encore aujourd'hui. Et j'ai plein de très bons potes à moi qui jouent aussi dans la Ligue, avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. Donc j'aurais plein d'anecdotes à compter qui se racontent plus ou moins. Donc je vais faire attention, je vais les garder pour les matchs. Je vais garder ces anecdotes-là pour les matchs pour essayer de déstabiliser nos adversaires. Mais je peux vous dire qu'en arrière de la cravate, j'en ai plusieurs histoires sur plusieurs gars dans la Ligue. Moi, je suis content d'avoir passé par Mont-Blanc il y a 11 ans parce que ça m'a appris, ça m'a permis d'apprendre à connaître un petit peu la France, la Ligue et tout ça. Donc, je suis super heureux. Puis on est juste bien content d'être à Mulhouse. Puis j'ai de mes anciens potes qui ont joué ici, Kevin Gadouri qui a joué à Mulhouse, là, puis tout ça. Mais j'ai justement hâte de créer des histoires puis d'en avoir pour le futur. Écoute, on les attend en grand nombre, on a hâte que les gens soient ici. J'ai entendu parler justement de Mulhouse, de tous les gens qui ont passé ici, comme quoi c'était une des meilleures foules et les partisans qui étaient dans les plus bruyants de la Ligue. Puis c'est ce qu'on s'attend de nos partisans, on a vraiment hâte de les retrouver avec ce qui est arrivé avec le COVID et tout ça. Tout le monde est gonflé à bloc d'avoir des matchs, j'espère qu'eux aussi, puis on espère que l'année passée, une belle saison, ce qui va permettre de repartir sur des bonnes bases cette année et d'avoir encore plus de gens qui viennent au match. Ben, plutôt pas mal. On a repris la glace depuis quelques semaines maintenant, donc tout commence à rentrer dans l'ordre, le physique commence à se sentir de mieux en mieux.
Voilà, comme tout le monde sait, ça a été une longue attente avant de pouvoir remonter sur la glace, à peu près 5 mois, donc c'est jamais évident au début, mais comme on dit, c'est comme le vélo, ça se perd pas. C'était un peu compliqué pour tout le monde, les 3-4 premiers jours, et après ça commence à revenir. Ben pour l'instant, tout se passe bien. Je crois que ça travaille plutôt pas mal. Je crois qu'on va essayer d'augmenter encore l'intensité dans les jours à venir. On a aussi quelques matchs qui arrivent, donc ça va nous permettre aussi de savoir un peu où on en est, puisque jusqu'à maintenant, on sait que entraîner. Donc c'est un peu compliqué de savoir notre niveau. Mais voilà, on essaie d'intégrer les nouveaux de la meilleure des façons. Essayer de comme on dit, de flyer un peu sur la saison qu'on a eue l'année dernière, et essayer de trouver cette régularité pour que Mulhouse puisse performer encore cette année. Bon, ça pose pas de problème, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones cette année. Voilà, à nous aussi de faire attention par rapport aux anglophones qui soient bien intégrés, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vite parler français dans le vestiaire et un peu à, je dirais pas à oublier les anglophones, mais c'est vrai que quand la langue naturelle est le français, tout le monde commence à parler en français et puis les anglophones peuvent se sentir un peu exclus, mais je crois que voilà, tout le monde arrive à maintenant parler anglais de nos jours, donc je pense que ça pose pas de problème et on essaie de faire attention à ça aussi. Bah pour l'instant ça se passe bien, voilà, c'est un jeune entraîneur, mais voilà, il sait où il veut aller, il est organisé, et voilà, je crois qu'on est tous impatients de pouvoir commencer la saison sous ses ordres, et voilà, on va essayer de travailler main dans la main, essayer de tirer le meilleur de cette équipe, essayer d'aller chercher des victoires, parce que c'est ça l'essentiel de notre métier, c'est de gagner des matchs, essayer de aussi pourquoi pas aller chercher un trophée cette année. Voilà, il faut se fixer des objectifs. Et comme je t'ai dit, l'année dernière, c'est l'année dernière, maintenant c'est passé. Il faut se concentrer sur cette année et essayer de toujours s'améliorer, tout simplement. Oui, ça change des choses, bien sûr. Aussi, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport aux dates du commencement de la saison, par rapport à plein de choses. On sait que si un cas est positif dans notre équipe, tout le monde doit rester chez soi pendant 15 jours. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de complications, mais on essaie de pas trop y penser, on essaie d'avancer au jour le jour et puis de rester positif. Ça, je pense que c'est la meilleure façon de bien travailler, c'est de pas trop penser au futur, c'est de vivre au jour le jour. Et tant que pour l'instant on n'a pas de cas positifs, nous on continue de s'entraîner, on essaie d'être l'équipe la plus prête possible. Et voilà, essayer même d'avoir peut-être un temps d'avance sur d'autres équipes qui ont des complications. Voilà, il faut que ça joue aussi en notre faveur si ça peut être quelque chose de positif. Donc voilà, pour l'instant ça bosse tous les jours et puis on essaie de s'améliorer au quotidien pour être prêt le 26 septembre, parce que l'objectif c'est d'être prêt à cette date-là. Bonjour, alors moi je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans, je suis responsable matériel de l'équipe des Scorpions de Mulhouse depuis maintenant, ça va faire ma deuxième saison ici. Voilà, donc je gère tout ce qui est équipement, commande de matériel, etc. Alors, la partie d'avant-saison, c'est toujours une période où il y a pas mal de travail administratif avec les commandes de matériel, avec Bauer, qui est notre sponsor. Contacter les gars une première fois par mail, puis après voir avec eux ce qui leur convient dans la gamme qu'on leur propose. Et puis après, quand ils sont là, on fait des petits ajustements avec ce qu'ils ont besoin plus au quotidien. Alors,
oui, on a un suivi global de toute l'équipe et après chaque joueur a ses petites particularités. Il faut être capable de répondre à ça le plus rapidement possible et avec le plus de sérieux possible. Je dirais que ça a été plus compliqué au niveau des commandes pour que ça arrive, etc. Il y a eu un peu de retard parce que tout le monde a commandé en même temps, etc. Donc c'était un peu compliqué. Après, le fait de ne pas pouvoir être là pendant le Covid, ça a retardé un peu deux, trois petites choses. Mais bon, on a réussi à rattraper tout ça. Et puis voilà. Les matchs, je dirais que c'est la partie que tout le monde voit. C'est un peu ce qui est le plus plaisant, où il faut être quand même capable de répondre à chaque demande le plus rapidement possible, parce qu'en match, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Il faut quand même rester plutôt concentré dans le match. Et puis voilà, c'est toujours bien, surtout quand on gagne à la fin. Arriver tôt le matin, repartir tard, voilà, c'est tout ce qu'on voit pas et tout ce qui est le plus important, parce que pendant les matchs, normalement, il faut que tout soit fait pour que ça roule, et c'est le travail en amont qui est le plus important. Donc voilà, après, c'est pas vraiment un travail, c'est plus une passion. Il y a quand même Kevin Ekfeuil qui change pas mal de cross, que ce soit en match ou à l'entraînement. C'est un peu ce qui me vient en premier. Après, chaque joueur a son petit rituel. Voilà, je préfère garder ça dans le vestiaire. Continuer à venir nombreux, continuer à encourager l'équipe comme ça, je pense que ça leur fait du bien. Et puis, on espère connaître une aussi belle saison, si ce n'est mieux que l'année dernière.